Yo les supporters, j'espère que vous allez bien. Moi, pour moi, je la pêche, les gars. Et donc, aujourd'hui, petit coup de gueule, les gars. On va parler de Isaac Liadji, les potos. Et voilà. En ce moment, il fait beaucoup, beaucoup parler de lui. Et beaucoup de Marseillais sont là. Oui, il faut le signer. Je sais pas ce qu'ils attendent de l'OM. C'est un monstre, c'est un bonhomme, c'est ce que tu veux. Mais les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que l'OM a proposé un contrat à la famille Liadji. Un contrat qui, il me semble, était à hauteur de 20 ou 25 000, pas 25 000 hebdomadaires, ou je sais plus trop quoi là. Bon, ben, hebdomadaire, c'est pas possible. Mais était de 25 000, donc par mois, j'imagine. Mais la famille Liadji, non, pas content. Pas content. Pas content, c'est-à-dire que. Il demande entre 75 et 80 000, les gars. Voilà, 75, entre 75 et 80 000. Vous trouvez ça normal, vous, les gars? Et là, vous êtes encore tous là à me dire, oui, il faut le signer, il faut pas le signer. Oh, poteau. Moi, pour être sincère avec vous, les gars, moi, ce qui m'écœure vraiment, c'est que à notre époque, les amis, c'est le commercial avant le sportif. Oh, vous êtes sérieux? Vous êtes en train de me dire qu'il faut faire les pigeons à signer un minot, même si c'est 75 000, à signer un minot qui n'a jamais prouvé quoi que ce soit. Il est juste supposé avoir un talent. Oh, il n'y a pas un problème, les gars, franchement. Il n'y a pas un problème. Et tout le monde veut, en plus, que l'OM fasse le pigeon et signe le minot, frère. Oh, les gars. Soyez à un moment donné, je sais pas, il faut réfléchir à un moment donné dans son cerveau. C'est-à-dire que, oh, 75 000, un jeune, il a pas prouvé. Il faut prouver d'abord. Ah, normalement, voilà, tu prends 25 000, c'est beau déjà. Oh, 25 000, poteau, 25 000, on parle, frérot. Il a 17 ans ou 18, je sais même plus. Oh, tu vois ce que je veux te dire? Ça lui suffit pas? Ça ne lui suffit pas pour démarrer. Voilà, tu signes, poum, poum, tu signes à l'OM. Tu sais que, voilà, c'est quand même un club qui a une histoire, qui historiquement, voilà, on est les seuls à porter encore l'étoile à l'heure actuelle en France. Tout le monde sait, voilà, on le sait, ça a toujours été l'OM, ça a beaucoup été un club tremplin, que ce soit pour Drogba, Ribéry, Nasri, et j'en passe, j'en passe. Bon, après, Nasri, tu vas me dire, il a pas si bien fini que ça au final. Un petit peu quand même, hein, Sylvie, machin, il a fait sa carrière. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Non, je suis pas d'accord, les gars, je suis pas d'accord. Le petit Nasri, quand il a signé, les gars, qu'il était tout jeune, il a signé à moins que 25 000, les gars, c'était entre 10 ou 15, un truc comme ça. C'était aberrant, mais les gars, c'est aberrant. C'est aberrant. C'est aberrant, c'est plus commerce. Oh, il pense d'abord à ce qu'il peut toucher le minot que penser à putain, moi je vais prouver, boum boum, voilà, il faut prouver d'abord, faut prouver. Prouve-nous que tu mérites d'avoir un gros salaire, poto. Prouve-le, voilà, arrache-toi, fais tout ce que tu peux signe, fais tout ce que tu peux pour rentrer le plus souvent sur le terrain et prouve, poto, prouve, tu vois ce que je veux dire? Oh! Tu payes Kylian Mbappé, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Tu payes pas Kylian Mbappé. Ok, tu as peut-être un talent. Et je te le souhaite. Je souhaite que ça. Qu'il explose, qu'il arrache tout, tu vois. Mais moi, ce que je veux, c'est d'abord qu'il signe chez nous. Voilà, qu'il prouve qu'il a quelque chose dans les coronesses, dans les jambes, les gars. Hein? Et après, soit après tu prolonges avec l'OM, boum. Là, tu demandes un salaire conséquent. Un salaire qui est à la hauteur de son talent et son niveau, mais avec confirmation, poto. Pas, ah, il a dit, il sera peut-être un grand joueur, il a peut-être du talent. Non, non, et non, les gars, on ne peut pas donner à un minot de 17-18 ans 75 000 ou même 80 000, parce qu'il demande entre 75 et 80, je me répète, c'est pas possible, les gars. Autant tu fais un flop. Et mettons le signe à 75-80. Pas de problème, on le signe, poum poum, 4-5 ans, frac frac, option avec but, machin, patin couffin, ok. Et après tu fais
fais un flop. Voilà, tu fais un flop. Et donc, tu vas garder un. Je vais être méchant, mais tu vas garder un joueur de bas niveau, parce qu'on en a vu des futurs, des soi-disant futurs qui avaient du potentiel et qu'au final ils se sont écroulés. Moi, je peux t'en sortir à l'appel, cousin. Et surtout à l'OM d'ailleurs, surtout à l'OM. Combien de talents on a eu et qu'au final, caca, hein, en gros. Hein? Pedretti, hein? On en parle. Bon, après lui, il était déjà confirmé, mais c'est un exemple. Parmi tant d'autres. Non, non. Alors, non, alors Mino, par pitié, pour la ferveur de l'OM, signe-moi ce putain de contrat à 25 000, fais pas chier, rentre sur le terrain, prouve que tu es un bon homme, et dans quelques mois, tu négocies ton salaire, poto. Voilà. Ou sinon, moi je vous dis sincèrement, les gars, sincèrement, avec tout le talent qu'il peut avoir, tout le talent qu'il peut, qu'il peut avoir, eh ben. À ce salaire-là, 75, eh bien, qui partent. Moi, je vous le dis, qui partent. Va au Barça, va au Bayern, va au Real. Tu joueras jamais. Tu feras jamais une rentrée, poto, parce que ce n'est pas des clubs qui sont dans cette optique-là de faire jouer les jeunes. Tu joueras jamais. Et basta causé, on n'entendra plus jamais parler de toi, poto. Donc voilà. Donc voilà, les gars. Ça me tenait à cœur de m'exprimer sur le petit Isaac Liadji. Dites-moi en zone de commentaire ce que vous pensez, si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi ou pas du tout. Hein, mais toujours dans le respect, les gars, hein, pas besoin d'envoyer des insultes et tout. Laissez-moi un gros like, les gars, ça fait plaisir. Et puis voilà, les gars, portez-vous bien. N'oubliez pas, l'OM, c'est nous. Et faites gaffe à vous, les gars. À bientôt pour une prochaine vidéo.